Eh bien, salut tout le monde, c'est Mise Paradoxe, on se retrouve pour cette nouvelle épisode de notre aventure sur Spyro 3. J'espère en tout cas que vous allez bien. Dans le dernier épisode, on avait fini le niveau là, qui s'appelle Côte de coquillage. Et on avait téléporté ici. Pourquoi, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fait tout le niveau, c'est ça qui me paraît étrange. Donc, peut-être qu'on finirait pas. Ah si, cratère en flou, je crois qu'on a fini en flou. Veux-tu utiliser le mode de caméra actif? Il me trompe pas. Donc bon, on va aller voir là, et puis on va aller voir ce qu'on vit. Le ballon est paré! Monte à bord! Ouais, mais non, en fait. Parce qu'il nous manque encore... Il nous manque 3 mondes, mine de rien. Ok, donc, attendez. Ok, bon. Circuit champignon. Ok, déjà, on a un monde là qu'on n'a pas fait. C'est un circuit en plus, super. Allez, on est parti pour l'épisode de rage. Spyro. Il y a deux défis de bol qui t'attendent au circuit champignon. Tu peux essayer le contrôle-la-montre pour la course de patine. Quel défi le plus relevé? Un conseil, essaye de terminer les défis dans l'ordre. Occupe-toi d'abord des anneaux. Ok. C'est un échec! Non, ça va, ça devrait passer quand même. Comme ça. Tac. On a perdu un peu de temps, mais bon, ça devrait le faire. Ok, donc on a les pissenlits là. Pissenlits là. On a juste les pissenlits. On a dit que ça passera pas à cause de mon petit fail au début. Ok, il nous manquait que les papillons. Bon, je pense que ça va taper l'air trop dur. Donc ok, donc là, le jeu nous dit clairement que l'ordre... L'ordre dans lequel ils apparaissent, c'est l'ordre conseillé pour le faire. Ok. Ok. Je crois que c'est pas le cas dans les autres. C'est tout bon, ok. Ça c'est fait. Les index ont été impressionnés. Ils t'offrent cet œuf en récompense. Parfait. Quel défi veux-tu relever? Ok. Tu veux courir contre les papillons. Passe à travers tous les anneaux verts dans l'ordre et suis. Les points rouges pour se guider. Ok. Ah,
vitesse. Et je comprends comment j'ai plein de vitesse. On recommence. T'as pas l'air simple. Okay. Troisième. Faut vraiment qu'on les prenne absolument tous. Ouais, c'est dur. C'est sûrement les brûler en fait. Ok, donc on est deuxième. On va voir si on peut les brûler ou pas. Ça a l'air chaud. Je vais les brûler. Et fin du premier tour, je suis déjà troisième. Pas dégueu. Deuxième. Je ne suis pas. Ah, je l'ai pas. Je ne suis pas, je t'ai dit.
souvent second et j'arrive pas à être premier. Je pense que le bruit c'est vraiment pas ma priorité. Faut vraiment plus que j'essaie de brûler en fait ce qu'ils font devant moi, ils sont des collés. J'ai raté un... Je peux pas en rater un. Moi, attends, je le sais. C'est vraiment à partir du deuxième qu'on commence à s'embêter. Pour les autres, ça a vraiment sans souci. Oh, j'ai raté. Reste derrière tout s'il te plaît. Deuxième. Premier. Quand même assez loin, mais je pense qu'on peut peut-être le rattraper si on fait le pas. Je vois rien. Je pense que ça se joue à un bout de comprend pas. J'arrive pas à faire mieux que 3ème pour le premier tour. Il est là. Ok, dernier tour.
Ah, il y a quand même pas mal de boost qui prend pas. Voilà. Mince. Oh, tu as gagné le premier prix. Parfait. Quel défi veux-tu relever? Aucun. Oh, ça c'est fait. Du coup, il est fini à 100% d'ailleurs la course. J'ai pas regardé. Circuit champignon, bataille aérienne de chasseurs. On fasse la bataille aérienne de chasseurs. Donc à mon avis, c'est un contre-la-montre. Et à mon avis, c'est un chasseur. Attendez, en sachant que... On a rien pour... Ah, il nous manque un truc au cratère en fusion. Il faudrait qu'on le fasse. Bataille aérienne de chasseurs. À mon avis, c'est les chasseurs qui se trouvent quelque part là. Je sais que dans Spyro 2, il y avait un chasseur par niveau. Celui-là, je ne sais pas. Oui, mon ami chasseur. Pourquoi je suis en pause depuis combien de temps? Je sais pas si vous avez vu le... Pourquoi vous avez rien vu? Excusez-moi, bon attendez, je vais vous faire remontrer quand même. On va pas le refaire mais comment faire montrer où il était. Pourquoi ça? Je sais pas, pourtant j'ai appuyé. Il me fait le bouton. Alors, attendez, hop. Il était... On est dessus où il était. Il était là. Il était là. Waouh, on va devoir monter. Attention. Et en gros, voilà. Et là. Voilà, faut juste tirer comme ça, faut juste faire les fêtes. C'est pas compliqué. Voilà, vous voyez ici. Hop. Ouais, ça fait relativement bien, mais au moindre dégâts, on meurt. Ok. Bon. Ça c'est fait. On va également. Est-ce qu'on finirait pas? On a un point de compétence qui nous manque dans un niveau. Est-ce qu'on n'irait pas le faire? Où est-ce qu'on... Ou on ira plus tard? Je pense qu'on ira plus tard. Ok, bon, on continue. Du coup, le point de compétence, on peut pas le finir, de toute façon. Le ballon est paré. Ok, bon, on peut monter à bord. Ah oui, non. Non. Attendez. Hop, ok. Donc, faut bien. Oula, attendez. Je vous corrige les lags. On va revenir. Voilà. C'est parti.
toujours plus haut. Voilà, donjon de Buzz. Donc c'est le boss de la zone. Donc après, on aura fini cette zone. Écoute-moi bien, espèce d'idiot. Je ne te le redemanderai qu'une seule fois. Pourquoi ne t'es-tu pas encore débarrassé de ce dragon? J'ai essayé de l'effrayer, votre majesté, mais il n'a vraiment peur de rien. Peur de rien? Peur de rien? Tu as pourtant suivi des années d'entraînement. Utilise la magie! Voilà un grimoire. Invoque un monstre et élimine-le. Je le tue? Peu importe ce que tu fais, espèce d'imbécile, tant que tu me débarrasses de lui. Ok, voyons voir ce qu'on a là. Ça fera l'affaire. Tu ne peux pas m'enfermer ici pour toujours. Voilà, sors-moi de là. C'est inacceptable. Toi, viens là. Oh oh. Mais que diable! La box est buggée. On est tout buggé. Ok. Quand j'ai appris que la sorcière voulait te tendre une embuscade, je suis venu le plus vite possible. T'inquiète pas, ce crapaud vert n'est pas de taille contre nous deux. Ok, y'a rien. Donc au cratère en fusion, la quête, on peut pas encore le faire. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Un malade. Moi je peux bien. Ah, tu recules hein. Tu recules. Ok. Putain, il va pas l'air compliqué du coup. Attention. Oula. Il est passé d'esquive. Non, vraiment du très peu. C'est bon. Ok. Il y a un mouton. Putain, j'étais pas prêt moi ça. Wouah, il fait mal. Ok. Ok. Dégage. Ok. Dégage, ok. Ok, à partir de maintenant, faut pas qu'on oublie que dès qu'on l'attaque, il fait une putain d'aura de feu. Voilà. Ok, il y a sûrement une autre méthode parce que là je prends beaucoup trop cher.
reviens là. Est-ce que tu t'es fin? Ok, prochain dégât. Si je fais pas mon attaque. Dégage. Ok, encore un coup. Je fais n'importe quoi. J'ai pas dû rompre. Et du coup... Quoi ? Vraiment ? Dégage ! Genre plus quoi ! Dégage ! Un rôle. Oh purée. Mais arrête de tourner autour. Impossible! Attendez, comment je suis censé faire pour le faire sans prendre de dégâts? Comment je suis censé faire sans prendre... Quoi?
c'est la canne. Attendez. Ouais non, la caméra qui tourne tout seul autour de lui, ça déjà peu. C'est horrible. Mais elle prend des dégâts au bout d'un moment. Voilà. Ouais, dégage. Non. Mais ça suffit, oui. Voilà. Mon Dieu. Là derrière tu m'attaques. Ok, qu'est-ce qu'on aura de plus? Qu'est-ce que tu m'attaques? Peut-être que je l'attire par contre. Ok, je pense que c'est ma... Je pense que c'est la solution. Dégage. Ok. Moi j'ai compris comment le battre. Et bien par là. Ça. Ok, encore deux coups. Ah, du feu, mais là, il va jamais m'attendre. Dégage. Ok, dernier coup. Ça n'est pas compliqué, il faut savoir comment le faire. Je sais pas pourquoi j'ai pas attaqué direct. Mais... Peut-être qu'il suffit de se tenir loin de lui. J'ai l'impression qu'il ne peut rien faire. Voilà. C'est win! Donc Jardin du Midi, c'est le prochain monde. C'est le monde 2. On va pas y aller maintenant. On va pas y aller maintenant. J'aimerais bien qu'on aille voir Haute Printanière. Maintenant, on a l'autre printanière et qu'on voit si on peut faire le dernier niveau qui nous manque.
Voyons voir. On peut. Spiro, j'ai trouvé un œuf. Mais il n'y a que Sparks qui puisse l'atteindre. Il y a un petit trou qui mène à la ferme des homards. Je peux l'y emmener s'il est prêt. Allez, go. Donc on va jouer de Sparks. C'est quoi, c'est trop bien. Salut Sparks. Avant que tu n'attaques les homards, je vais t'aider un peu. Pour commencer, entraîne-toi au tir. Appuie sur attaquer pour tirer sur ses cibles. Oh, combien ce petit lemur. Bien. On peut avancer. Tu peux te déplacer rapidement en appuyant sur charge, comme Spiro. Ok. Ok, à mon avis, est-ce que je peux... Ok, je peux foncer sur les mobs, ok. Ça devient difficile. Comme tu es une libellule agile, tu peux esquiver dans toutes les directions. Pour esquiver, appuie longuement sur rouler à gauche ou rouler à droite, puis choisis une direction. Essaye pour toucher les cibles dans cette pièce. Rien compris. Ah oui, comme ça, c'est... Ouais, donc ok, c'est vraiment Speed Invader, allez. Ok. Lors de tes voyages, tu trouveras des papillons qui te renforceront, comme dans le royaume des dragons. Et en plus, certains papillons te donneront des pouvoirs spéciaux temporaires. Avale un papillon bonus, puis appuie sur sauter pour utiliser le bonus. Le bonus est indiqué en haut à droite de l'écran. Ah oui, ok. Ok, rien que ça. Oh, je suis à péter le truc, non? Oh, je suis à péter votre histoire, non? Apparemment, tu es prêt, Sparks. Si tu as encore besoin d'aide, choisis simplement l'option contrôle dans le menu de pause. Ok. Ah, et on a bel et bien des gemmes. On a combien? On a 200 et un 9. Ok. Ok. Que c'était de la régène. Dégage. Ok, on a un système de clés. Ah ouais. Ça, à mon avis, faut que je bourrine dessus, non? Non. Je cours là, ok. Et je peux aller là, je peux pas aller là. Ok. Bon après ça c'est pas très, très compliqué mais pour pouvoir. Ok, on est les verts. Ok, mais est-ce qu'on a... On a pas vu de porte verte. Non, c'est justement celle-là. Non. J'ai une porte verte que je n'ai pas vu. Là. Clé normale, clé jaune, c'est celle-là.
Ouais, c'est vraiment pas dur. En fait, c'est que le premier. Le premier, j'ai vraiment faim, les gars. Tac. Il faut qu'on aille vers le bleu. En vrai, c'est super sympa ce comme style de gameplay. Ça change, j'aime beaucoup. Pas tout le temps, mais en tant que milieu, c'est sympa. Oula. Ah purée, j'ai fait mon premier bouton. Pour accélérer. Je prends des boutons pour accélérer. Oh purée, il est drôle. Ah oui. Ouah mais ça me tue coup ton machin. Ok bon, je peux les casser en fait. Bon ça va en fait, c'est pas compliqué. Ah, c'est mal quand même. On a obtenu une aura. Ok. Ah. Pas cool ça. Ça, c'est pas cool. Ah oui, mais en soi, la gemme qui me manque, elle est là. Voilà. Bon, bah voilà, on a fini la quête avec Sparks, on a fini ce monde à 100%. Parfait. Cool. Oh, donc ça nous apporte des pouvoirs, bah c'est super. Bon et bien sur ce, les amis, j'espère en tout cas franchement, j'espère que cet épisode de Spyro vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne, la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci vraiment à tous ceux qui le font. En donnant rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Spyro 3. Merci à tous, c'était pas. Salut tout le monde. Allez, bye bye tout le monde. Salut, bye.